pourquoi le vert? Parce que c'est d'abord la transparence, hein, quand même la transparence et le fait que la lumière passe à travers le vert. Et ensuite, parce que c'est une matière qui est difficile à travailler, qui est ingrat au toucher, mais par contre, quand la lumière passe à travers, c'est quelque chose de sublime. Ça m'a apporté de rencontrer d'abord des personnes un peu interloquées par le verre dans mon travail, et également ça m'a apporté le fait de rencontrer d'autres artistes que j'ignorais, qui habitaient la même ville que moi. Didier Bonneau m'a proposé cette idée, j'étais tout de suite partant, parce que on est tout seul dans son atelier et il y a un échange, un véritable échange qui s'opère entre l'artiste et l'amateur d'art, et un échange qui enrichit aussi bien l'artiste que l'amateur d'art. Je me sers de mes souvenirs d'amateur de bande dessinée, de mes lectures, j'ai beaucoup aimé les récits d'exploration, Jules Verne, tout ce qui concerne les arts premiers, la préhistoire. Je me sers de toutes ces images que j'ai emmagasinées, et donc à l'origine j'ai essayé de faire un petit peu comme les peintres des sociétés dites primitives, hein, les aborigènes, et puis j'ai dépassé ça pour trouver, j'espère, mon style. Thank you.
la musique est un cri qui vient de l'intérieur, ben, ma peinture c'est un cri qui vient de l'intérieur, c'est vraiment ça. Je suis très heureux de peindre et de dessiner. Et voilà, et ce bonheur, j'espère que je le transmets, qu'il apparaît sur mes œuvres. Ah, le message, ben déjà moi je me fais plaisir, je m'amuse beaucoup hein, quand je peins je suis dans un état un petit peu second, je suis un peu ailleurs et donc je voyage, c'est un voyage intérieur et j'espère que les personnes qui regardent mes œuvres, ben j'espère leur faire partager ce voyage, un petit peu de ce voyage. Je ramène des impressions des pays imaginaires que je visite. Je pense que c'était une petite graine qui est en moi depuis toujours. Et à 40 ans, ben, je l'ai arrosée. Et ma famille, mes amis m'ont encouragé. Et voilà, là, je suis un peintre. Inconnu, mais... mais moi, ça suffit à mon bonheur pour l'instant. C'est très très bien comme ça.